et un nouvel aventurier téméraire est venu piller nos catacombes sans scrupule. Espérons qu'il est plus solide que le dernier qui est passé. Si tu peux survivre aux épreuves et répondre à mon énigme, tu auras droit à une récompense digne de tes efforts. Voici mon énigme. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je? Thank you.
monde. Apparemment, tu as survécu aux épreuves des catacombes. L'heure est venue de voir si tu es aussi rusé qu'agile. Te souviens-tu de l'énigme ? Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je ? Tu la connaissais déjà ? Je ne pensais pas que tu trouverais. Très bien, un marché est un marché. Tu peux avoir cette œuf de dragon que je gardais pour la sorcière. J'ai attendu 7000 ans que quelqu'un résolve cette énigme. Je peux enfin partir à la côte des coquillages pour me reposer. Première manche de compétition annuelle d'aéroglisseurs de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? Très impressionnant! Tu as raison! Bonne chance pour la compétition d'aéroglisseurs! C'était vraiment un combat féroce. Voici le prix pour avoir gagné la première manche. Tu peux maintenant participer au championnat. Mais attention, c'est un sport très dangereux. Tu devrais peut-être abandonner tant que tu es entier. Eh bien, tu es un reptile très courageux, mais il te faudra bien plus que du courage pour remporter le championnat.
C'était un combat titanesque. Tu es le premier dragon à gagner cette compétition depuis plus de 1000 ans. Voici en récompense le grand prix de cette année. Parce que je lui ai tiré dans les fesses. Il a dit qu'il allait transformer ma queue en serpent. Elle ressemble à un serpent. Elle a l'air un peu étrange, c'est clair. Oh, ce chien va me le payer. Derrière cette porte se trouvent les 5 épreuves mortelles du roi Rover. Personne n'a survécu aux 5. En fait, c'est tellement dangereux que tu n'entreras qu'après avoir résolu mon énigme. Voici l'énigme. Je te suis partout où tu vas, mais plus tu prends de place, plus tu me laisses derrière toi. Eh bien, tu es drôlement rusé pour quelqu'un qui ne comprend rien à la mode. Tu peux tenter la première épreuve.
Alors ça, Spiro, je suis venu voir le prisonnier et bien évidemment, il avait disparu. Ensuite, quand j'ai commencé à chercher des indices, un de ces fichus dinosaures a réussi à m'enfermer. Et maintenant, ils sont tous en train de semer le chaos dehors et je ne peux rien faire pour les en empêcher.
mes prisonniers se sont échappés. Tiens, prends cette œuf de dinosaure avant qu'il n'éclose et que ce soit encore plus d'ennui. Cela dit, c'est sans doute le vilain petit canard. Oh, c'est le plus mignon dinosaure que j'ai vu. Un des dinosaures a lancé un œuf dans le puits de mine inondé. J'irai te le chercher, mais je suis vraiment pas bon nageur. Bon nageur, jeune dragon. Le shérif m'a promis que je pourrais être adjoint. Je vais aller aider à m'occuper des dinosaures. Si tu veux bien te calmer une seconde et arrêter de faire tout ce raffut, je pourrais te dire ce qui se passe. Le gang de Bailey est retranché dans ces bâtiments là-bas. Tu vas devoir y aller et les en faire sortir. Bonne chance à toi. Le gang de Bailey voulait à tel point voler cet œuf. Ce n'est pas du tout leur genre. Quelqu'un doit leur avoir demandé de le faire.
Ces ovnis moutons. Je viens d'en voir un qui a pris un œuf avant de filer. Il est super rapide, mais son ovni est endommagé et il laisse des ronds de fumée. Je crois que je peux le rattraper à condition que je passe dans ses anneaux. Je dois le poursuivre. Je reviens tout de suite. Justesse ! L'œuf a été éjecté juste avant que l'OVNI s'écrase.